Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur Fire Emblem Heroes avec une séance d'invocation qui fait peur parce que aujourd'hui je vais faire une séance d'invocation sur une bannière dont le personnage qui m'intéresse est sur une couleur qui a deux personnages, donc le gris. C'est-à-dire qu'en gros mon but c'est d'invoquer Sakura d'Halloween, mais il y a Jacob d'Halloween qui risque de tomber. Donc voilà, c'est les invocations de début de Fire Emblem Heroes en fait. C'est terrible, c'est affreux. Ça va que ça se fait de moins en moins. C'est pas vrai, puisque il y a une bannière qui... Ah, je crois qu'il y a Atonner et il casse tout. Bref, du coup, je disais... J'espère que vous m'entendez bien, d'ailleurs. Je sais plus ce que j'allais dire. Ah oui, si, j'allais dire que c'est pas vrai. Ils viennent de sortir... Ils viennent de sortir cette invocation-là. Où il y a double vert. Donc ça se fait toujours. Hein. Mais bon. C'est quand même de moins en moins commun. Tonnerre casse tout. Oui, j'ai cru comprendre. Du coup... Mon but, ça va être... d'invoquer du gris. J'espère que... On arrivera à avoir des Cordelia mariés et des Sakura des sources chaudes aussi. Il m'en manque combien? C'est vrai ça, il m'en manque combien? Il m'en manque 4. Donc objectif 4 Sakura Nekomata. Allez, on va tenter. Voilà. Il te manque combien, Jacob? Attendez, on va regarder. Je sais même plus si je les ai fusionnés ou pas. Alors, je vais mettre dans un groupe. Alors. Oh. Wow. Il est pas là. Je le vois pas. On n'a qu'à dire qu'il n'existe pas. Ah, il est là. Il est plus 2, mais ça veut pas forcément dire que j'ai tout fusionné. Jacob. Eh, mais en vrai... Non, en fait... Ah si, il y en a un, là. Ah, lui, je l'ai pas fusionné, hein, c'est bon. Et oui, c'est la continuité de... du marathon Halloween, finalement. Bon, nous sommes partis. C'est mal parti. Bon, on va tenter d'avoir des Novi, hein, et puis peut-être des lapis, tant qu'à faire. Alors... Oh non! Je viens de voir que j'ai fait un fail pour le stream. Bien! Donc, nous avons obtenu une fée! En vrai, elle est trop rigolote, cette madame. Mais bon. Mais bon, d'ailleurs, elle a une épée, ça fait... Mais non, mais vous êtes sérieux? C'est qui l'autre personnage? Ok. Bonne chance pour ne pas invoquer Jacob, merci. Bon, on va passer, vu que de toute façon, c'est juste un personnage bleu. On veut du gris! On veut du gris! On veut du gris! Ah, voilà. C'est vrai que maintenant, il y a le système de petit break si jamais on a invoqué 3 persos qui ne sont pas de la bannière. Hop, hop. Mais le problème de Jacob, c'est qu'il est gris comme Sakura. S'il était bleu, ou si Sakura était bleue, il n'y aurait pas eu de problème. Parce qu'en vérité, moi j'aime bien Jacob quand même, ça va. Merci à tous ceux qui m'encouragent
Et bonsoir à tous ceux qui arrivent. À propos de fées, je suis en train de faire généalogie en ce moment, donc je m'impatiente de la connaître. Ah, j'avoue, ça a l'air trop stylé, généalogie. Sakura Bleu, on aurait bien aimé. C'est vrai, hein. Hop là. Bon, petit souci de connexion. En termes de car design, tu préfères la Sakura des sources chaudes ou la Sakura d'Halloween? Bah en fait, le fait est que Sakura d'Halloween est dessinée par mon artiste préféré de tous les temps, donc du coup, je vais dire que je préfère Sakura d'Halloween. Mais elle est quand même sympa, Sakura des sources chaudes. En plus, au fin de compte, je joue plus Sakura des sources chaudes parce que elle est volante et j'aime bien jouer les persos volants. Non, celle des bains, c'est la même personne qui a fait la première à lire qui est sortie d'ailleurs. Alors oui, j'ai 600 orbes, mais je vais pas les utiliser toutes parce que... Il y a un personnage qui va sortir bientôt qui s'appelle un truc du genre Gigumbabap. On dirait un nom de plat coréen. Avec une dague arcane, je pense, et du coup, peut-être je pourrais la donner à ma Sakura Nekomata, je peux garder des orbes pour elle. Ah bah voilà du gris! Oui, c'est Amagaitaro qui fait Sakura des bains. Moi j'avais invoqué pour Alire Légendaire, je sais plus d'amis, je sais plus. Tu te moques du grand gouffre en disant que c'est à manger? Absolument. Sachant que... j'avoue que j'aimerais bien garder quelques orbes pour tenter d'avoir Veil aussi, qui vient de sortir. Ça commence mal. Allez, je te mets quand même un cœur. Voyez que je l'ai mis rang A avec Effie, d'accord. Donc je l'ai joué, hein, je l'ai joué pendant un moment. Allez. Après Jacob, voici Félicia. Il y a eu le focus Peony Triandra qui m'a rien donné. Oh mince! Dommage. Il y a trop de persos cool. Mais oui, c'est vrai, c'est compliqué. En fait, quand Anna Halloween est sortie, j'étais là. Oh mais moi je voulais Anna. Parce que c'est Anna-san. Mademoiselle Anna, incroyable. Je sais plus si elle dit Madame Anna ou Mademoiselle Anna en fait. Mais j'ai eu de la chance parce que je l'ai eu en 20 orbes, du coup j'étais là, ah ouf, je vais pouvoir économiser pour le reste. Allez, Félicia. En plus, Anna, comme elle le dit dans Engage, elle est vraiment très forte. Du coup c'est cool. Allez, j'accélère un peu, là. Ce qui est terrible avec Jacob, c'est que si je l'invoque, bah ça... ça compte comme j'ai invoqué un perso de la bannière, donc... Wow, stylé. Du coup, ça compte pas, en fait. Allez, toi aussi, je vais te donner un cœur, même si je t'ai déjà eu. Des Garnchins. Mais je l'ai eu il y a pas longtemps aussi, pour la première fois, cette légarne. Mais bon. Ça fait plaisir. Eh ben Félicia, elle a envie de dire qu'elle existe, hein. Salut Mickey Padmé, ça va et toi? Elle
Elle est triste de pas être dans la bannière. C'est vrai, il n'y a pas de Felicia d'Halloween. Ouf, un seul gris. Serait-ce le gris? Eh ben décidément. On a donc plein de persos ce soir, mais pas le bon. Allez, toi aussi tu gagnes un cœur. Moi je veux bien des 4 étoiles, 5 étoiles, mais je veux des 4 étoiles, 5 étoiles, genre des Sakura. Je ne sais pas comment les gens font pour économiser leur orbe, tu dis nymphalie. Mais, wow, trop bien. En vérité, je trouve pas ça si compliqué. Je veux dire, quand il n'y a pas de perso qui me plaît, j'en veux pas, tout simplement. Adi. Hop là. Tu peux vendre les personnages qui ne t'intéressent pas. En fait, il y a un système de dons de skills. Genre, par exemple, Patty, elle a idéal vite def. Et donc, du coup, bah, si je compte pas jouer Patty, je peux dire bonjour, je veux donner idéal vite def à un personnage que je veux jouer et qui, ça serait bien qu'il ait idéal vite def, par exemple. Du coup, voilà. Invoquer un personnage qu'on ne veut pas n'est pas une fatalité. Il peut toujours servir... pour faire don de ses compétences à quelqu'un d'autre. Bon, après, il y a des personnages genre... j'avoue, Nils... Bah, en fait, il est un peu trop vieux. Du coup, il a pas... J'allais dire, il a pas de skill intéressant. Bon, ça va, il a Iceberg, en fait. Mais... Pff, et encore. Mais du coup, voilà, les personnages qui sont trop vieux, on peut les convertir en plumes. Et les plumes, ça sert à améliorer les rangs des personnages. Genre, par exemple, là, Jacob, il est 3 étoiles. Et bah, avec des plumes, je peux le passer 4 étoiles. Donc voilà, tout se recycle dans ce jeu. Il doit y avoir trop de persos que j'aime bien. Oui, bah, je comprends, hein, c'est pas évident. Hop là. J'ai trop envie de passer les invocations, mais si je passe les invocations, et bah ça va aller trop vite la séance. Vivement la bannière Mérine. J'avoue que je crois que Mérine n'est pas très populaire en fait. Du coup, je sais pas du tout. À quel point on a des chances de l'avoir vite arrivé ou pas. Ça fera une 4 étoiles! C'est vrai. Bon, par contre, c'est pénible, hein, la connexion internet aujourd'hui, elle est pas très clémente. Bref. Alors. Double Priscilla. J'aime aussi Sarah. C'est Mérine, c'est qui? C'est ça, la dos de loup? Oui, c'est ça. Waouh. Bon là ça va, le jeu est sympa avec tes grilles. Maintenant il faut que le personnage tombe. Vous avez donné des surnoms aux personnages comme par exemple Peony, Pepperoni. Oui. Par exemple, Edelgard déchu, on l'appelle Edelgadou. Bah, il n'y a pas que des méchants dans les Gritero Battle. Regarde, il y a Lumera.
Merci, Nymphalie. Oh! C'est vrai qu'il y a ce personnage qui existe. Allez, un petit cœur. Le chevalier noir, je le surnomme chocolat noir parfois. C'est pas de la gadoue, c'est une symbiote. Eh ben, ce sera de la gadoue maintenant. Allez! Un personnage qui n'aura jamais d'amélioration car elle danse. C'est terrible ça. C'est le stream du lag aujourd'hui. Les invocations sont lentes. Eh mais c'est de la folie. Ça n'est jamais arrivé avant. Iliana, des fois je l'appelle Pikachu. Ah bon? Comme je connais pas les personnages du jeu de Ike, je me demande pourquoi. Bon, on va accélérer, hein. Wow, wow. Il est impressionnant, son artwork à Eleonora. Allez. Hop, hop. Que serait une séance d'invocation de moi sans Eleonora? C'est la seule mage de foudre. Ah, d'accord. Kyria, je l'appelle Miku. Ah, moi, Kyria, je l'appelle Kyria, du coup. En plus, elle a des couettes vertes et tout. J'adore cette séance d'invocation. Ah, bah voilà. Ça parle de Jacob, alors forcément, il faut son fils. C'est qui, Kyria? C'est une chanteuse. Ça y est, la bannière a décidé d'être méchante. Vous avez dit Olivia? C'est pour le suspense. Ouais, bah décidément, Patty, elle est motivée. J'aimerais bien que ça fasse pareil quand j'invoque du rouge et que j'ai des lapis. Ah! Un esprit félin. Alors. Hop. Bienvenue dans la team. Plus que trois! J'ai même pas vu elle était quelle nature ma Sakura. Oh! Voilà, ça parle de Kyria, donc ça fait penser à Tarja, donc voici Noir. Je crois que c'est la première fois que je l'ai. Oui, voilà. Allez, hop. Elle est jamais sortie en normal. Oui, c'est vrai que Noir, je crois qu'elle est pas sortie. Si on aime Noir, il faut jouer. Il faut invoquer dans une bannière saisonnière, c'est embêtant. Oh, c'est Sakura! Ah, mais je me disais que si j'invoquais un personnage, la barre bleue elle allait se reset, mais non en fait. J'avoue que je me demande quand est-ce que je me dis
Je vais tenter d'invoquer une petite Veil. Ça peut très mal se passer, hein. Les bannières mythiques, c'est terrible des fois. Non. Oh. Aïe aïe aïe. Ah, c'est pas la bonne Sakura. On est à 400. Allez, on invoque encore un peu. C'est terrible, toutes ces Sakura manquées. On pourrait s'exclamer plus qu'une Sakura et à la place c'est... Salut Shadow. C'est la Sakura qui a oublié de se déguiser. Merci beaucoup pour l'abonnement. Alors... Après voilà, c'était sûr que l'invocation allait être effrayante comme ça. Ah, j'aurais espéré plus de 4 étoiles, 5 étoiles aussi, de saison j'entends. Oui, j'y ai pensé, Woody, quand Arès est apparu, je me suis dit c'est Alucard. Allez, allez. Ah, c'est une musique oppressante. Il y a There is trouble. Où sont les Sakura Nekomata? Il y a un personnage qui me fait penser à Ribbon dans votre let's play de Mythopia. Ah. Il y a une quête de la voix des héros, ça me met que c'est tout le temps indisponible. Remporter une grande bataille abyssale, quelqu'un saurait me dire comment faire? La voix des héros? J'avoue que... Je ne comprends pas la quête. Ça me donne envie d'aller voir. Alors, attendez. Il attend ? Pas de quête, la voix des héros. C'est une Pégase aux cheveux roses et aux yeux bleus, j'espère. Oui, c'est ce que je me suis dit. Bon. Dans le petit truc sous le bouton vert du QG. Attendez, je regarde après alors. Oh, Nefeni. Avec son violon arc, trop stylé. Alors attends, truc vert, c'est pas le genre qui débute, truc vert, c'est ça? Ah oui, moi j'ai tout fait du coup. Bon, autrement, c'est quand même pas ça, les abyssales. Peut-être qu'en fait, il faut que tu fasses une map abyssale, parce que si ça dit de faire une map abyssale... Si c'est ça, ok, bah du coup faut que tu fasses une map abyssale. Alors, hop. Ça ne me l'a pas validé. Ah ouais, bizarre.
Ah non, mais les dessins de Akan, je sais plus comment ça se prononce, ils sont trop beaux. Je suis d'accord. Oh oui! Oh là 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 là! Alors là, c'est exceptionnel ce qui vient de se passer. C'est... ça y est, c'est la 10e! Enfin, la 11e! Oh là 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 là! Oh là là, c'est ce que j'espérais. Elle est neutre! Bon, je te mets un cœur, mais tu vas te fusionner direct. Hein. Oh là là! Regardez ça! Elle est là. Elle est plus 9. Elle va pouvoir passer plus 10. C'est incroyable! Ça y est! Il y aura donc eu une justice pendant cette séance d'invocation. C'est Sakura des sources thermales, ça veut dire que je ne serai plus obligée d'économiser à... Parce qu'en fait, à chaque fois, il y a les bannières de Nouvel An. Et les bannières de Nouvel An, en fait, je suis trop triste parce que je les skip pour Sakura des sources chaudes. Et là, cette année, ça veut dire que je ne serai pas obligée d'économiser pour ma dernière Sakura. Ça fait plaisir. Hihihi. Petite 12e, bah la petite 12e, je l'ai déjà jetée en livret militaire, alors c'est bon. Allez. Maintenant, il faut des Cordelia mariés. Cette année, on aura les OC de Fire Emblem Heroes pour le nouvel an. Bah c'est sûr, bah en plus l'année prochaine c'est l'année du serpent. Et devinez qui est un personnage serpent qui est sorti cette année. Salut à ceux qui arrivent. Du coup je pense qu'il y aura Gulveig du nouvel an, c'est obligé. C'est bientôt la fin du chapitre, en fait. Gulveig qui va avoir 10 000 skins. Non mais Gulveig, incroyable! Le personnage, en même pas un an, il aura eu plus d'alt que n'importe qui d'autre. Mais c'est pas vrai! Arrêtez! Non! Bon. Je pense que je vais noyer ma peine et aller un petit peu invoquer ici. Du coup. Je veux du bleu. Oh purée, il y a Félix en rouge. Je crois que je m'étais dit que. Je voulais tout sauf du vert. Mais oui, il y a chaise. Allez. Ah ouais, je voulais du bleu. Ça va être bien. Voilà, les bannières mythiques, moi j'invoque tout. Indépendamment de la couleur. Vu que c'est 8%. Qui sera le personnage qui rejoindra Meran? Bon, par contre, si c'est du vert, j'en invoquerai pas, je pense. Et oui, il y a le fils d'Hera. D'ailleurs, en arène, j'en croise beaucoup. Du coup, je me dis, wow. Il y a plein de gens qui l'aiment bien, en fait, ce garçon. Je sais pas si je me contente de ça. Parce que bon... Alors oui, mais bon, c'est un peu dommage. On va dire que j'ai rien invoqué, je vais recommencer. L'héros de Pokémon. On n'a rien vu. Il
Non, je pense que je vais pas invoquer du verre parce que... Bah... Voilà, vert. Non, mais il y a des trucs bien en vert, mais bon, je sais pas, je le sens pas. Allez! Je voudrais Veil, s'il vous plaît. Pff, il donne pas de bleu. Oh non! Bon, ça va, c'est un 4 étoiles. C'est quand? Pas si j'ai déjà eu quand. Non, j'avais jamais eu quand. Quand. Oh, il est attaque plus. Oh, attends. Hop. Et oui, on a fini Mario Wonder. En stream. Est-ce qu'il y a une unité mythique qui est nommée Elimine? Oui. Là. Elle est trop stylée, Tanit. Je trouve que son artwork est très cool. Mais c'est pas vrai! Je crois que je vais pas invoquer... Le jeu essaye de me faire passer un message. Bon, je crois qu'il n'y aura pas de Veil ce mois-ci. Attendez, y a qui? Non, parce qu'il y en avait plein que je voulais. Alors, je voulais Nana, Félix, Frère, Veil, Chaise, Arval, allez, Alchrist, soyons fous. Et genre, vous m'avez donné deux fois H! Y'a... Ah, je sais pas quoi. Je sais pas, je suis un peu blasée. Ah bah oui, bah il s'appelle Frère, hein. Moi, je... On parlait des surnoms, bah lui, c'est Frère. C'est le frère de Freya. Oh là là, mais je suis trop dégoûtée! Je sais pas ce que je fais! Mais frère, ça ne se prononce pas comme frère! C'est pas grave. Oh, je... Je sais pas quoi penser. Eh, mes frères, c'est pas le nom que donne Dami à son arcane. Si. Bon. Je vous laisse décider. Est-ce que je continue d'invoquer dans cette bannière ou est-ce que je retourne sur Sakura Nekomata? Je crois que ça se prononce Frahir. Oui, bah, probablement. Non, mais Nertuse, c'est clair. Hein. Continue. Pour retomber sur H. Allez. Soyons fous. Non, mais il y a des bannières mythiques des fois, hein, c'est terrible. Ça dépend, tu veux Jacob. Ah bah voilà Ribbon, on en parlait. Oh là là, incroyable. Allez, allez! Donne-moi un 5 étoiles, trop bien! Je crois que ce soir, c'est pas le bon jour pour invoquer. Hein.
on pourra toujours se consoler et dire que j'ai eu ma 10e Sakura des sources chaudes, mais bon. Oh là 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 là. J'ai eu Veil ce matin, j'ai tout pris, désolée. Bien joué, bien joué. Ta 10e Sakura, mais c'était pas la bonne. C'est pas grave, ça compte. Attention, on invoque du gris. Hein. Ouf. Allez là, Veil, s'il vous plaît. On est bien parti. Mais qu'est-ce que c'est que cette invocation? Veil ou chaise? C'est vrai, hein? Je dis pas non à chaise non plus. Oh là 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 là! Ça va pas du tout. Non, mais de toute façon, je m'en doutais. Je me disais. Faut que je réserve au moins 200 orbes pour la bannière mythique. Ah, oh, ces chaises. Bon, bah écoutez, ça va. On s'en sort avec quelque chose. Bravo, chaise. Est-ce qu'on tente les gris? Moi, j'ai une Anna. Ah, je sais pas pourquoi j'ai pas envie d'invoquer les gris, là, tout à coup. Du coup, c'était quoi déjà l'arme d'Alchrist? Nanana. Nanana. Ouais, j'ai pas d'arc à qui je veux le donner de toute façon. Bon, Arval, ce sera pour une prochaine fois. Arval, il est là et il dit, mais je veux venir avec chaise. Non, non, mais on va pas invoquer, on va pas invoquer. On va retourner sur Sakura. C'était une séance d'invocation chaotique. Ah bah, bien joué du coup, Nymphalie. Ah, c'est Sakura, mais c'est pas la bonne. Bon. Je sais pas quoi penser. Oh no. Vous vous souvenez qu'il y a une blague qui sera plus 10 en premier entre l'indice marié et Cordélia mariée, et je crois que Cordélia mariée, elle perd. Je sais pas combien j'ai de l'indice marié, mais c'est abusé. Tu peux la plus 10 là? Bah peut-être. Faudrait que j'aille regarder. Hein. Alors. En plus là, on a une petite musique sinistre. Eh mais deux fois? Bah oui, vous invoquez des personnages genre Jacob. C'est des personnages de Nord, non? Lumière de Nord. J'avoue. Maria! Ça me fait penser que bah, là, Maria a été dessinée par Kaya Hachi et son style a énormément changé avec le temps.
Du coup, c'est trop stylé. De voir l'amélioration et tout des artworks. Nord est à l'ouest. Quoi? Je croyais que c'était à l'est. D'ailleurs, bientôt Camilla légendaire vu qu'Inoka est passé. C'est vrai ça? Allez, une Sakura s'il vous plaît. Et même trois. Bah peut-être que la colère anti-Camilla s'est calmée parce qu'il y en a plus depuis... Enfin ils en font plus trop je crois, si. Ah... Sur le coup, quand j'ai vu l'ombre de Sakura, je me suis dit « Ah, oh, c'est pas la bonne !» Mais en fait, si, c'est la bonne. Si, c'est la bonne. Justement. Léon a bien changé depuis Resident Evil 2. Bon, 142 orbes. Le truc a été reset. Est-ce que je continue ou pas? Surtout que... Je ne sais pas quand est-ce que... La madame va sortir, là. Je veux bien sûr parler de... Ah mais oui, mais on peut pas la voir. La musique inquiétante se finit quand? Alors, est-ce que je continue ou pas? Alors, je sais que toi, Dami, tu serais du genre à t'arrêter là. Et moi, je me dis, j'ai envie de continuer, mais d'un côté, ça peut mal finir cette histoire. Hein. Du coup, c'est compliqué. Ça descend vite les orbes. Hein. Oui, mais justement, si je la veux à la 40e, je crois qu'il me faut. Il me faut. Je sais plus combien d'orbes. J'allais dire 175, mais c'est peut-être pas 175. Je crois que je me dis 175 parce qu'il y a peut-être genre les tickets avec. Ouais, voilà, il y a les tickets. Parce que normalement, c'est 200. Donc c'est pour ça que je m'étais dit qu'il fallait que je garde 200. Je pense que je vais arrêter, hein, parce que... Si je veux la dague... Ah, mais t'es attaque plus mais très bien. Bon. Allons faire des bêtises. Non, attendez, non. Il me reste une chose à faire. On va utiliser un ticket ici. Alors, du rouge ou du bleu? Alors, du rouge pour Lysithea. Du bleu pour Tsubasa ou Tana. Encore des Tsubasa. En fait, j'ai envie de prendre le bleu parce qu'il est tout seul. Allez. Ah, je voulais Tana. C'est bon. On peut faire un combat pour la tester. On peut, mais ça va pas être génial. Hein. Bravo, Tana. Bon, ça va. Ça se finira. Ça se finira quand même sur une bonne note. Alors, attendez. Quick. Fusion de héros.
Donc on va commencer avec cette chère Sakura. Oh là là, incroyable. Après tant de temps. Je me trompe pas, hein. C'est bon, je supprime personne. Non mais depuis que j'avais jeté ma Sakura, je suis trop stressée de faire ce genre de manipulation en stream. Bon, du coup... En vérité, ça va. On va passer à plus 8. C'est sympa, c'est sympa. Ça veut dire que l'année prochaine, il faudra potentiellement encore tenter d'invoquer dans la bannière qui fait peur. Mais après, ça va parce que... bah, si j'invoque dans la bannière de Cordelia mariée, peut-être que... Oh, j'avoue, Cordelia mariée, d'ailleurs. On m'a dit qu'on voulait rigoler un peu. Je l'ai rangé où? Alors, allez, soyons fous. Bon, j'ai mis un peu le bazar dans mes casernes avant le stream. Si on a une autre. Bon, ça va. On va rigoler un peu. Elle est pas encore plus 10. Elle est pas encore plus 10, hein. Oh là 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 là, mais non, mais c'est pas possible. Non mais peut-être que... oui, j'ai eu Sakura et Elise de la Saint-Valentin. Bon, allez, de toute façon, ça sert à rien, une Lindis de mariée, ça donne rien. Hein. Ça donne bâton brillant, mais bon, aujourd'hui, bâton brillant... Allez, on va la fusionner, c'est rigolo. Ah bah en fait, j'étais tellement énervée d'avoir invoqué autant de Lindis mariées que je les ai transformées en livres de héros. Ça, par contre, c'est dommage que... On peut pas les mettre toutes en même temps. Je suis obligée de le faire un par un. Ah, j'avoue, pour l'hiver, il y a Cordelia et Selena. Bon, le jeu a pas envie. Allez. C'est pas possible. Oui, il y a effectivement Minuit à côté de moi qui ronfle. Elle est juste là. En fait, là, il y a une chaise à côté de moi. Et Minuit, elle dort dessus. C'était pour être dans le thème du stream, Nekomata. Waouh, on aura passé plein de persos à plus quelque chose. Vous vous rendez compte que cette Lindis... bah pareil, là, elle est plus 8 alors que c'était pas voulu. Eh ben dis donc, j'en ai des haches en fait, hein. Et elle est combien ma hache? Elle est plus 1. Ok. Alors... Elle est combien Cordelia mariée?
Mais voilà, elle est plus 6. Elle est plus 6. C'est terrible, les bannières grises. Hein. C'est vrai qu'il faut que je fusionne les Jacob aussi. Mais bon, je vais pas le faire. Bon, alors vous disiez que vous vouliez voir ma... Ma Sakura Nekomata à l'œuvre. Mais comme pour l'instant, ma Sakura Nekomata n'a pas de skill, ça va être bien. Waouh, merci beaucoup. Bon. On va faire ça vite fait. Ah, c'est trop mignon cette team, c'est que les personnages donnés. Oh, c'est pas très gentil ça. Il y a Peony qui est pénible. Voilà. Oh bah parfait. Voilà. La petite team de Sakura. Donc ma Sakura Nekomata qui a, je crois, ses skills de base. Hein, donc c'est des vieux skills que plus personne n'utilise aujourd'hui. Cette arme de la mort qui quand même est pas si mal hein, contre les mages. Bah là justement il y a une mage donc on va essayer de l'attaquer parce que ça va être la seule chose qu'elle fera. Non, j'ai pas lu les livres depuis longtemps. Mais je sais quand même pour celle. Bon, alors. On va essayer de se battre bien. Non, parce que vraiment, regardez, voilà. C'est pour ça que il faut absolument que j'invoque Gigimbaba parce que. Parce que là, ça va pas être possible. Hein. Alors oui, mais on va avoir un problème en fait. Je veux essayer de faire en sorte que ma Sakura se batte. Ah voilà. Mais voilà, contre les mages, son lance-chat, il est toujours efficace en fait. Donc du coup voilà, c'est vraiment à boire et à manger. Soit c'est zéro, soit c'est bon, je bats les mages. Non mais je sais plus comment elle s'appelle. Ginyun Gagap. C'est trop pénible comme nom. Tu les trouves où tes overlays? C'est moi qui les fais. Du coup, je les trouve moi-même, puisque c'est moi qui les crée. Alors après, comment je les fais? J'ai été chercher le background d'Halloween sur le wiki de Fire Emblem Heroes. L'artwork de Sakura, bah pareil, sur le wiki de Fire Emblem Heroes. Le logo, alors je sais plus, hein, parce que j'avais eu du mal à le trouver. En plus, je crois que c'est moi qui l'ai détouré moi-même. Puis après, bah, je fais des cadres, et puis je fais la petite barre musique. Du coup, voilà. Bon bref, voilà, c'est bon. Bon bah voilà, et voilà. Donc c'était la démonstration de Sakura Nekomata. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment un personnage nul. C'est vraiment, je l'invoque parce que je l'aime bien. Mais j'espère que quand Ginyun Gagap sortira, et bah, je pourrai faire quelque chose de ce personnage, parce que bon, compliqué. Oh, un trio d'Ascar. Je me demande si je peux les battre en combat auto. Allez-y. Allez-y, les Anna.
Ah ah, vous pouvez rien contre mes Anna. Et Kaeldori. Bon, après, là, j'avoue, je m'amuse à faire un assaut arène, ça sert à rien, mais bon, allez, tant qu'à faire. Allez. Oh! Ah, là, ça rigole moins. Ah, il y a ma Cordelia, j'aimerais bien lui donner la lance de Ingrid, parce que je l'ai. Mais je sais plus pourquoi je l'ai toujours pas fait. Bon, alors il va falloir faire attention parce que Gulveig, elle est pénible. Hop là. Bah, je crois que oui, le problème c'est les skills à transférer, effectivement. Bon, bah, en fait, ça va. Je m'attendais à pire. Allez. En fait, là, c'est l'exhibition de. Enfin, je sais plus c'est quoi en français. La démonstration de mes teams de personnages que j'ai invoqués. Eh ben c'est encore un trio d'Ascar d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Hop là. Hop là. J'aimerais bien faire une team de Hera. Ah. Je sais pas si c'est possible de faire une team de Hera. Ah, j'avoue, j'ai eu une Tana. Il y a que deux Hera. Ah non, c'est trop triste. Après, peut-être qu'on peut faire une team Hera, Larcé, des trucs comme ça. Ouais, je veux pas me jeter dans la mêlée comme ça. Ah oh, si, c'est faisable en fait. Ah ouais, en fait vous bourrinez. Oh non, elle est morte. Bon, en vrai les assauts arènes, je m'en fiche. Hein. Comme vous pouvez le voir, je prends le mode novice. J'en ai rien à faire. En avant, Véronica. Comment on prononce le royaume d'Ascar? Moi, je dis Ascar, un peu comme Asgard. J'avoue, faudrait que je fusionne mes Véronica brèves un jour. Parce que j'en ai plein, mais je les fusionne jamais. On peut avoir deux Hera de Larcé. Wouah. Ryoma est fort. Hop. Hop. Bravo. C'est bon, j'ai réussi mon assaut arène de la semaine. Je vais pouvoir gagner des plumes, pas des plumes, enfin si des plumes, des dracos fleurs vertes, youhou. Bon bah voilà, je ne sais pas quoi dire de plus à part vivement madame qui me donnera une dague parce que. Bon après, j'ai pas été sympa avec cette Sakura Nekomata, elle a pas encore de Dracofleur. Peut-être que quand... Oh, elle a pas de défense. Quand elle aura des Dracofleurs, peut-être que elle pourra faire des trucs, je ne sais pas. Attendez, là je peux en donner jusqu'à combien? Je peux la maxer, hein. Mais bon, je vais pas le faire parce que je sais pas encore. Ouais, c'est 30, ça va. Du coup, voilà, voilà. Moi, je le prononce Asker, mais je prononce pas énormément le R. Ah, du coup, c'est Asker. Asker.
J'ai entendu Draco Feu. bon, bah, en tout cas, ça avance bien. Ma quête des Sakura se fait tranquillement. Bon, j'avoue qu'il y a la quête des Sakura Valentine qui avance lentement. Parce que la dernière fois, j'en avais eu que deux, je crois. Mais bon, au moins, on termine petit à petit les personnages première génération. Regardez la vidéo avec Asker qui fait la muscu avec Alfred et Timera. Je l'ai vu cette vidéo, elle est incroyable. Pour savoir comment on prononce. Bah surtout qu'on peut pas faire confiance à la prononciation japonaise parce que des fois les noms sont complètement différents. Genre Peony s'appelle pas du tout Peony en japonais. Sachant que Peony c'est le nom d'une fleur. Mais je sais plus comment elle s'appelle en japonais, mais c'est le nom d'une autre fleur. Donc du coup, je ne sais pas. Ah oui, en plus la vidéo de Do the Asker. il faut. À la fin, on nous dit qu'il faut pas reproduire chez nous. Alors que pourtant, ça a l'air tentant. Triandra, c'est Scabiosa. Ouais, ils ont pas gardé les noms. Bref, voilà. Fire Emblem Heroes. Moi, j'aime bien ce jeu, toujours, ça va. Maintenant, mon objectif, ça va être effectivement d'économiser pour Noël. Et puis. Et puis on verra ce qui sort d'ici là. Bah après il y aura la lance arcane qu'il faudra avoir. Darren et Robin. Ah bah oui, bah c'est Darren, Robin, Reflet, tout ça, tout ça. Tout le monde change de nom. Bref, merci à tous d'avoir suivi ce stream. Invocation terrifiante. C'était, ça s'est fini. Ça s'est bien fini finalement. Et voilà, voilà. Monstre dévoué. Au revoir tout le monde!